la vie. C'est moi, Félix, avec mon collègue Dylan Lemelin Bella. Aujourd'hui, on va vous parler des minéraux dans ce qui nous tient en santé, le sport. Mon conseil est pour nous, Dylan. Je suis ravi que tu me le demandes, Félix. En fait, les minéraux dans l'espace sont nécessaires pour la fabrication des outils pour pratiquer. L'aluminium est utilisé dans la fabrication de certains vélos. Par exemple, le bâton de hockey, on fait de bois, de fil de verre et d'autres matériaux. C'est vrai. Donc, je laisse la parole à Jean-Guy qui me parle de hockey. Je laisse la parole, Jean-Guy. Nous voici dans un autre. Dans un endroit différent, je vais parler de la composition de la rondelle. Oui, c'est une rondelle. Oui. Maintenant? Oui, petit. Ah, la rondelle, pour qu'on en finisse? Qui a pas de pas? Le hockey officiel se compose de plusieurs matériaux différents. Les rondelles sont fabriquées à partir de caoutchouc naturel. Deux différents types d'huile rendent des caoutchoucs résistants. Différents minéraux aident à réparer la poussière de charbon et de caoutchouc, ce qui est connu comme le noir de carbone pour d'autres. Certains des minéraux de durcissement de rondelles sont le carbonate de calcium et de soufre. Les antioxydants sont ajoutés. Oui. Certains des minéraux du ciment de la rondelle sont les carbonate de calcium et de soufre. Les antioxydants sont également ajoutés au mélange pour aider à prolonger la durée de vie du caoutchouc avant qu'il ne soit transformé en une rondelle. Merci beaucoup, Jean-Guy. On parlait de quoi déjà? Pourquoi tu laisses pas? Oh, moi j'aime bien le gars, pourquoi on parlerait pas de ça? Comme tu, madame, on espère des gars, Jean-Charles. Bonjour, Jean-Charles. Allô, je vais vous parler de la composition du ballon de golf que voici. Il en a été composé de peu de choses, mais il y a plein de matériaux. Des matériaux comme le zinc, l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acide carbone et le titane de compos. Chaque métal a un niveau différent de durabilité et de jouabilité. Chacun offrira un aspect différent répondant à un type spécifique de golfeur. La tête de club en aluminium et en zinc sont de bons matériaux pas chers. Mais plus vous améliorez, vous aurez besoin de changer pour mieux. En fait, on utilise plusieurs matériaux sans s'en rendre compte. Magnifique, hein? Mais c'est fou ce qu'on trouve là-dedans. Maintenant, je vais vous parler de la... Wow! Minute! On a déjà passé la limite. Je crois qu'on va dire au revoir à nos auditeurs. Mais... Il n'y a pas de mais! Au revoir.